Obini. Osa Somme. Bonjour, bonjour à tous. On ne restera pas trop longtemps aujourd'hui parce que je suis malade. Bonjour à tous. Il fait trop chaud à Kinshasa. Je suis malade. Je ne dors plus. Je suis sorti pour aller travailler. Je ne me suis pas mieux senti. Je suis rentré chez moi. J'étais déjà le matin au tribunal. Hein. Donc voilà les news que vous attendez tous. Depuis ce matin, à 7h, nous étions là. Eliane Bafeno ainsi que ses avocats. Il y avait son ex Christian Olongo. Il y avait Jérémy Kongolo ainsi que Clay Kabamba pour une confrontation de ce jour. Je peux vous dire qu'aux dernières informations que je viens d'avoir au niveau du tribunal, il y a rebondissement dans ce procès. Alors qu'on attendait Moïse Mbille au tribunal, il est invité par le parquet de grande instance demain à 8h. Donc demain, c'est le procès du siècle. J'invite toute la presse, les médias de venir couvrir cela. Moïse Mbille a été invité aujourd'hui par le parquet de grande instance de la Gombe. C'est pour vous dire, je vous ai dit, que la justice congolaise, il ne faut plus jouer. La justice a changé. Depuis l'avènement de l'état de droit, avec son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo à la tête de la République démocratique du Congo, beaucoup de choses ont changé. État de droit Yangoyo. Donc Moïse Mbille est convoqué demain à partir de 8h ici au parquet de grande instance de la Gombe. Pour ceux qui veulent venir, le parquet de grande instance de la Gombe, c'est à côté du ministère des Affaires étrangères, c'est au palais de la justice où se trouve aussi le bureau du vice-premier ministre et ministre de la justice, son excellence Tunda Eyakasende, c'est à côté de l'école Chafaka, à côté de... je pense que c'est l'ambassade de Chine, hein, si je ne me trompe pas. Bien sûr, plus loin, c'est la présidence de la République. Donc demain, soyons nombreux, les Congolais qui voulaient savoir ce qui se passe au niveau du parquet. Je vous avais dit que la justice va faire son travail en toute impartialité. Awa Mutombongo Zate, c'est un procès médiatique. Les médias vont faire pression sur le juge. Awa Tambongo combien et Kosi Mbate. Donc demain, soyez nombreux ici, au niveau du palais de la justice où je suis. Donc revirement dans ce procès, le parquet, nous attendions Moïse Mbille au tribunal, mais revirement, le procureur général a invité ces jours l'accusé. Moïse Mbille, pasteur de l'église Cité Bethel, demain à 8h. Demain, c'est le 4 février à 8h ici au niveau du parquet. Nous savons tous qu'il y aura des centaines, pour ne pas dire des milliers, de chrétiens de l'église Cité Bethel qui vont accompagner leur pasteur. S'ils ne sont pas au courant, je leur donne cette information. Donc demain, Moïse Mbille devra répondre des accusations portées à sa charge ici au niveau du parquet de grande instance de la Gombe. Donc toute la presse est invitée demain. Lobinde Makambu et Kozala Ao. Lobinde Makambu, je vous avais dit, faisons confiance à notre justice. Vous avez vu que eux-mêmes sont tombés pieds joints dans leur piège. Moi, je ne parle pas trop. Voilà la motivation de l'accusation. La motivation de l'accusation, c'est la vidéo. Attendez. C'est cette vidéo-ci. Dieu est grand, comme ils disent eux-mêmes, le chrétien. Domicilé sur l'avenue Ntoko, numéro 11, quartier Motel Fikine, dans la commune de Limété.
Chituka Kabamba Clay, domicile sur avenue Kimpese, numéro 14, quartier Yolo Nord, dans la commune de Kalam. Mon général, ces inciviques sont poursuivis du chef d'outrage aux bonnes messes et diffamation au préjudice du pasteur Moïse Mbille. Donnez-moi mes cœurs, donnez-moi mes cœurs. Les deux inciviques ont reconnu. Est-ce que vous êtes mon nom? En possession de différentes vidéos compromettantes du pasteur Moïse Mbille. Moi, je le pingaïe. De l'église, place encore en fuite. Les trois sont tous des proches du pasteur. Ce dernier tenait souvent le téléphone de son pasteur pendant les quittes et lors des concerts religieux. Il était aussi chargé pour la réparation de 10 téléphones en cas de panne. C'est ainsi que celui-ci a transféré les différentes images dans le téléphone de ces deux collègues de l'église. En outre, M. Chituka Kabamba Clay, renvoyé de l'église à cause d'un détournement des offrandes, a cherché de se venger du pasteur en utilisant ces images compromettantes pour les balancer à travers les réseaux sociaux. Les différentes conversations par voie de WhatsApp entre celui-ci et sa copine, je cite, mademoiselle Dalia, non autrement identifiée, sont à notre disposition et sont plus illustratives. Donc, comme vous venez de comprendre, Eliane Bafeno avait accusé le pasteur Moïse Mbille pour viol sur mineur, avortement forcé, menace de mort, outrage aux bonnes mœurs. Donc, ce que vous venez de voir, c'est ça qu'on appelle outrage des bonnes mœurs. Donc, demain, ça sera un procès qui dira si le pasteur Moïse Mbille va être détenu directement par la justice congolaise ou le dossier sera renvoyé au niveau du tribunal. Je vous informe aussi que le pasteur Moïse Mbille doit se présenter physiquement et non envoyer ses avocats. Ça, c'est quelque chose que vous devriez savoir. Donc, le procès du siècle, c'est demain. On saura qui dit la vérité et qui ment. Comme je le dis depuis le début de ce procès, je suis journaliste reporter d'images, je suis journaliste d'investigation. C'est comme là, la confrontation a pris fin depuis 10 heures, j'y étais. Je suis rentré chez moi pour m'échanger et venir récupérer les informations adéquates pour vous. Donc je suis différente de personnes qui sont dans leur maison, qui attendent mes infos pour attaquer par après. Donc ici nous sommes en live et ça se passe à l'instant même. Je suis au niveau du tribunal de la Gombe. J'aime beaucoup ce message. Unis contre la corruption pour la restauration de l'état de droit. Non à la corruption. La corruption est un obstacle au développement du pays. Ce message est un message fort qui prouve à suffisance qu'aujourd'hui, plus personne n'est au-dessus de loi. Donc, le pasteur Moïse Mbille est invité demain ici au niveau du parquet de grande instance. Il aura à affronter les accusations de Crispin Kachama, l'avocat du grand frère d'Edine Kachama.
Crispin Kachama, c'est l'avocat qui s'est fait agresser chez lui vers Petro-Congo, pour ceux qui suivent ce feuilleton. Crispin a déposé une plainte aujourd'hui contre Moïse Mbillé. Crispin qui, dans la nuit du 3 au 4, a vu des policiers casser son portail et casser sa porte de la maison avec un Jérémy ligoté comme une saucisse de campagne. En train de rechercher Eddie Kachama. À la question qu'on posera à Jérémy Kongolo, est-ce que les personnes que nous cherchons sont là, et Jérémy dira qu'ils ne sont pas là, parce que Jérémy a été arrêté 3 jours avant, dans la nuit du vendredi au samedi. Voilà que dans cette instruction, il y a eu beaucoup d'incohérences, parce que normalement, en droit congolais, dans la justice congolaise, la police ne peut pas garder les prévenus ou les accusés, disons, pendant plus de 48 heures. Le parquet ne peut pas garder des personnes pendant plus de 5 jours. Par contre, Jérémy et Clay ont passé 7 jours au niveau de la police. Et puis, la vidéo que vous venez de voir, qui vient de prouver que beaucoup de choses qu'Eliane Bafeno avait dit étaient bel et bien vraies. Outrage aux bonnes mœurs, pourquoi? Parce que le pasteur est un éducateur de masse, et avoir, détenir des vidéos de plus de 20 femmes, des vidéos compromettantes et intimes de plus de 20 femmes, est une outrage aux bonnes mœurs. Parce que vous avez des sœurs, vous avez des cousines, vous avez des enfants, ceux qui viennent d'arriver, donc il faut que ça puisse changer. Eliane Bafeno n'est pas certes parfaite, mais par contre, elle a mis au grand jour le comportement de plusieurs personnes qui se croient plus sains que ça, qui se croient au-dessus de la loi. Et donc, comme je le disais, il fait trop chaud à Kinshasa, donc je ne resterai pas à longtemps. Outrage aux bonnes mœurs sont le contenu du téléphone d'un pasteur. Je ne veux même pas te répondre. Pose à mon limite, tabac. Chrétien, tabac. Donc, c'est pour demain. Soyons nombreux. La presse pour OESA, procès du siècle. J'invite la presse, c'est une information. Ne venez pas me chercher pour me demander l'argent. Non. Eliane n'a rien. Eliane vient d'une famille pauvre. Eliane, pour le moment, elle ne travaille plus. Ça veut dire qu'elle n'a plus de sous. Donc, venez prendre l'information demain, comme partout dans le monde. Comme c'est que je fais à chaque instant. Ainsi, le live d'aujourd'hui est terminé, parce qu'il fait très chaud ici. Nous étions là au niveau du parquet des grandes instances. Ainsi, pour vous informer sur le procès du siècle qui arrive. Je ne finirai pas. Je ne terminerai pas. Je ne terminerai pas ce live pour vous dire que félicitations à Michel Bakenda. Oh mon Dieu. Na bangi. Papa, yo bon, on a pas de papa pour laisser ma poigne. Zélo, c'est moi quelque chose. Maman, la tambo. Mets la maille, hein. Non, mon tounanga. Donc, Eliane, certes. Eliane, ok. Eliane, certes, n'est pas sainte, elle n'est pas parfaite, mais Eliane. Pardon, excusez-moi, je vais. On n'a pas encore sa moto qui. Pardon, excusez-moi. Hein. Entre-temps, admirez la beauté de la RDC. C'est moi, Moï. Moi, et que ça la cabine.
Bref, j'étais en train de dire que félicitations à Michel Bakenda qui a prouvé que lui, c'est vraiment un enfant de Dieu. Il est aussi Moulouba, mais il a mis son ego de côté. Il a mis son ego de côté. Il s'est agenouillé devant le peuple de Dieu. Il a demandé pardon. Vraiment, que tous les chrétiens du monde entier puissent prier pour lui, que notre Dieu le fortifie à fond, parce que ce n'est pas facile pour un homme qui a sa trompe, en fait. Un homme qui est connu et reconnu mondialement à travers sa belle musique, qui aujourd'hui... dans les cas... Demandez. Pourquoi au Baluka quitté toujours là où a été na péro. Tala ma pour moi, je suis un boy. Toujours là pour embouteillage ou pardon. Tu penses que tu as le cas? Tu as le choix. Comme je disais, Michel Bakenda a demandé pardon. C'est agenouillé devant le peuple de Dieu. Hein? Ça, c'est... Il sort grand. Il sort grand. Excusez-moi, embouteillage. Oui, ça, Kinshasa, et ça, grave. Donc, Mikoloso, ça, na cop. Na 13h, il faut sortir à 7h. Parce que c'est un truc de ouf. Ils ont la Kendrick Kanzato, il a qui est... C'est plus facile. Tu continues qu'à tout droit. Hein? Donc, soutenons Eliane, l'autre a l'argent, les possibilités de prendre les plus grands cabinets d'avocats. Nous savons une seule chose. Notre Dieu que nous prions est juste. Notre Dieu que nous prions est juste. Non, les papes ont assez de soins à Bouindé. Le Dieu que nous prions est juste. Et Eliane Bafeno, elle n'est pas parfaite. Oui, ses vidéos circulent, ses photos circulent. Et alors, c'est sa vie privée. Nous tous avions nos casseroles. Nous avons nos placards. Hein, où nous enterrons nos cadavres, nos squelettes. Nous en avons. Nul n'est parfait. Surtout en République démocratique du Congo, où nous savons comment les femmes... Hein, comment les femmes sont traitées. Mais sous ce coup de Eliane, donc c'est pour vous dire qu'Eliane, quelque part, malgré tout, elle avait aussi ses raisons. Et quand elle parlait de sauver des âmes, aujourd'hui nous le voyons. Donc je rappelle que rebondissement dans le procès Eliane Bafeno, pour ceux qui le savent, je vous donne une information. Depuis ce matin, le parquet de grande instance de la Gombe a émis une invitation à l'accusé, au prétendu accusé Moïse Mbillé, parce que jusqu'à présent, il bénéficie de ce qu'on appelle la présomption d'innocence. Le parquet de grande instance l'invite demain à 8h. Donc, comme c'est un procès du siècle, la presse, la presse en ligne, la radio, la télévision, vous êtes invités parce que c'est une grande information. Il y a eu trop de manipulations dans les chefs de la communication depuis le début de procès. C'est ici qu'il faut rétablir la vérité. Donc demain, nous en saurons un peu plus lorsqu'il viendra. Moïse Mbillé doit se présenter physiquement, accompagné de ses avocats. Et après confrontation avec Jérémy Kongolo, Clay Kabamba, Eliane Bafeno, Christian Olongo, à ce moment, je ne sais pas si Mireille Mokeni est ainsi invité pour demain. C'est après cette confrontation que nous en saurons encore un peu plus. Donc, comme les collègues qui nous le disent, ou bien Bayanginoa. Je ne sais pas, c'est vous qui saurez. Donc, l'orgueil précède la chute.
L'humilité précède la gloire. Ce dossier est encore à un. D'ailleurs, je vais vous balancer d'ici là des audios très, très compromettantes. Hein? Soyez branchés. Nazoti la binoba audio très, très compromettante. Yabilo komoko, obo komonake, ils sont en train de parler pour rien. Je vais balancer d'abord une seule audio, une seule, parce que ce n'est pas encore scellé par la justice. Une seule audio, très très compromettante. Et puis, l'autre vidéo compromettante sortira à partir des États-Unis. Les vidéos de ces 20 femmes sont déjà entre les mains de plusieurs personnes. Maintenant, si on veut jouer au chat et à la souris, Hélène Bafène n'a plus rien à perdre. Koutouya Zomwane t'a commis célèbre. Boti Kakochambo Tonalikambu Oyo, on le dit tous les jours. Il n'y aura qu'une seule personne qui sera perdante. Hélène Bafène, elle s'en fout Ndengazawan. Azamwana Mukela a 20 ans. Ndengazawan a Sayebani. Elle sait que les gens la viendront en l'aide parce que c'est une belle femme, parce que les hommes ont vu les atouts. C'est ça le mal avec les hommes africains. Quand ils voient les atouts comme ça dans le nude, vous pensez que Barobo est à moi la moissonne. Ils vont venir. J'ai eu son fiancé Benjamin en ligne. Benjamin l'aime encore plus que jamais. On dirait Kanye West, non? Kim Kardashian. Parler, insulter, dénigrer là. Na moi na ngamuto s'en foutra le quoi Eliane Azati. Donc les lots déjà d'ici là et quoi les abou que côté point. Hein? Non non, il fallait que les boy coco to kanga ma boy. Alors Comme je le disais, il y aura une bakwe kobetama. Nous nous sommes là comme on nous appelle dans notre métier les gestionnaires des risques. Je vois tous les balouba m'appeler, Denise, pourquoi tu fais ça? Toi tu es la gardienne du temple de tous les Kaysayens et tchik et tchak. Mais je suis gardienne du temple, c'est pour cela que je suis en train de retenir le frère en main. C'est pour ça jusqu'à présent je retiens le frein en main. Parce que tant que Koinda Awa, les gens seront blessés. Les églises des réveils vont se vider. Aux dernières minutes, on m'apprend que le pasteur Sony, en tant que président des églises des réveils, s'était entretenu avec le pasteur Moïse Mbillé, qui pour lui a dit qu'il n'y aura pas des confrontations à l'amiable, il veut le parquet. Ok, le tribunal. Ok, je lui souhaite seulement bonne chance, parce que dans de tels dossiers, nous savons tous comment ça termine. On peut avoir 500 avocats, je ne pense pas qu'il ait l'argent comme Dominique Strauss-Kahn. Mais on a vu là où Dominique Strauss-Kahn, tout ça l'a ramené. On s'est dit au revoir pour le live de ce jour. On se retrouve très très prochainement. Vous voyez que malgré la clim, on transpire comme des cons ici. Donc Eriangoyo, le tribunal n'est pas bon. Celui que vous voyez là, c'est mon papa Richard Mouyege Mongez Mons, le seul gouverneur qui a fait de sa province Hollywood. Donc quand vous partez au Lualaba, Lualaba est comme un mboka moussoussou. Grâce à cet homme, mon papa. Mon père biologique, pour tous ceux qui ne savent pas, est déjà décédé, mais il m'a laissé deux papas formidables. Batomi Laïm, Nene puissant. Mon papa Richard Mouyege, Mongez Mons. Mon papa Denis Kamba et Chimbumbu. Donc, on se retrouve très, très prochainement. N'oubliez pas de suivre les activités de mon boss, le jeune Patrick, le jeune honorable Patrick Katengo Mafo. Je n'oublie pas l'honorable Nanou Memba, mon meilleur ami, hein? Nanou Memba qui se trouve en ce moment à Indaba. Mes chers amis, je n'ai pas pu aller. J'ai un petit problème de santé. Je ne saurais pas courir. J'ai un problème de cœur maintenant. Donc, je ne saurais pas courir dans tous les sens. J'ai envoyé
mon équipe de mon agence qui se trouve sur place. Bon, je vous dis au revoir. Les images d'Indaba arrivent d'ici là. On se dit au revoir et à bientôt pour un autre live. Pour un autre live. Au revoir. Bakodo Kapenza, d'occasion en cours de téléchargement. Allez, bisous.